Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't want. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo, on va tester en avant-première une palette de la marque Glaminatrix. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire des non. Bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Mouh. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je veux dire. On y va. Me voici, me voilà toute excitée de vous présenter en avant-première la Berly Basique de Glaminatrix Cosmetics qui m'a été offerte, envoyée par Monolith. Je vais vous expliquer dans quelques instants le pourquoi du comment. Donc, cette palette, le lancement officiel sur le site de la marque, à savoir Glaminatrix, aura lieu dimanche 4 août. Actuellement, elle est en précommande sur le site, si ça vous intéresse. Tout en sachant que celle-ci sera également disponible sur le site de Monolith. Monolith. Pourquoi cette palette m'a été envoyée? Eh bien, c'est grâce à vous, grâce à vos recommandations, grâce à votre soutien, et un poquito grâce à moi, mais surtout, beaucoup grâce à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, il y a 15 jours, je crois, Monolith a posté en story Instagram comme quoi ils cherchaient des créateurs de contenu afin de les affilier, de leur envoyer des produits, souhaitaient qu'on leur recommande des gens, qu'on postule. Moi, je l'ai vu bien après. Pourquoi? Parce que vous m'avez, je me répète, bombardé sur Instagram. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de choupettes qui me suivaient en sourdine sur Instagram. Tellement vous m'avez envoyé, oui t'as vu. Et moi j'étais là, waouh, je t'ai recommandé. Oh là 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 là, mais j'étais noyée de messages. C'est l'une des premières fois où j'ai été autant noyée de messages. Ça m'a tellement fait plaisir, ça m'a tellement boosté, vous pouvez pas vous imaginer. Donc bien évidemment, suite à ça, j'ai postulé, j'ai envoyé un DM, je me suis présenté. Même si j'avais déjà eu des échanges avec eux, là j'ai vraiment postulé officiellement. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, ma candidature a été approuvée. Donc je fus extrêmement contente. Dans la foulée, il y a un colis qui est parti et j'ai pu voir avec eux en quoi consistait cette collaboration, parce que c'est une collaboration on va dire. Au final, il n'y a pas vraiment de contraintes. En tout cas pour moi, c'est une de mes passions, le maquillage. Donc forcément, Monolith m'a demandé ce que je privilégiais comme format, comme plateforme. Et c'est vrai que moi c'est plus YouTube. Pour eux c'était nickel, ça leur posait pas de problème, bien au contraire. Mais j'ai pas eu de, oui faut faire une vidéo là, une vidéo là. Non non non, de toute façon, à partir du moment où on vous envoie un colis, en tout cas moi personnellement, quand je reçois un colis, j'ai envie de tester direct. Donc c'est pas une contrainte que de me dire oui faut faire une vidéo là dessus Donc grâce à cette affiliation, je vais recevoir des colis. Hein, j'aurai un lien affilié dont vous pourrez vous servir. Et à partir de mi-août, j'aurai également un code propre pour vous les choupettes, dont je vais également me servir, qui consiste 5% sur tout le site, peu importe ce que vous voulez, ou 10% sur quelques items. Ce sera à vous de voir ce que vous privilégiez. Mais en tout cas, je suis très 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 contente. Et Monolith, c'est pas comme si on connaissait ce site depuis 2 jours. Pas du tout. On a dépensé de l'oseille dessus. On s'est fait plaisir. Grâce à Monolith, on a quand même accès à de plus en plus de marques indies. Qu'elles soient australiennes, qu'elles soient américaines, qu'elles soient anglaises, chinoises, coréennes. Enfin, franchement, on peut se faire plaisir. Le catalogue commence à être de plus en plus fourni. Donc, il conserve le système de lancement par mois. Vous connaissez déjà le site, je ne vais pas plus blablater. Maintenant, on va se concentrer sur la Berly Basique de Glaminatrix Cosmetics. Trop trop hâte de la tester. En plus, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il se trouvait que je l'avais mise dans ma wishlist. Donc, quelle fut pas ma surprise de voir qu'elle était dans le colis Pierre. Trop contente. J'étais en joie. Vraiment en joie. Donc sans plus tarder, je mets la base sur mes paupières, je me rapproche et on commence. Donc trop contente, regardez-moi cette beauté, nous allons l'ouvrir. Voici comment elle se présente, je vais retirer le film plastique. Ouh, pardon Billy. C'est un peu du simili-cuir, comme un peu la Sugar and Spice. Cette beauté automnale. Vraiment magnifique. Donc là, vous pouvez pas bien voir les reflets. Je vais me maquiller et ensuite on fera quelques swatchs. Mais trop trop hâte de l'utiliser. J'aime beaucoup le format de la palette. Je pensais pas l'apprécier autant. Donc trop contente. Sur quoi on va partir?
Je vais essayer d'utiliser un max de couleurs mates. Je vais essayer de changer un petit peu ma façon de maquiller. Sans pour autant faire non plus extravaganza parce que il fait chaud, moins chaud qu'il y a quelques jours, mais il fait quand même chaud, j'ai pas envie de m'exciter et tout et tout. Parce que le but, c'est quand même de garder le make-up jusqu'au soir et de vous mettre dans la barre d'infos si la tenue, si ça a crisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allons-y, guingamp! Je vais commencer par la teinte Pumpkin Spice. Que je vais mettre à partir de la moitié de ma paupière jusqu'au bout, sans pour autant aller au ras de cils comme d'habitude. Voilà, donc là, c'est juste la teinte de transition. Donc, certains diront que cette palette est d'un ennui pour l'été. Mais on, comme je disais dans la précédente vidéo, longtemps Natacha a sorti la Golden Palette et pourtant je trouve qu'on s'ennuie plus avec la Golden Palette que celle-ci. Hein. Après c'est une affaire de goût. L'automne en été, ça peut être chiant. Hein. Estimez-vous heureux qu'on n'ait pas encore les sorties de Noël. Parce que l'année dernière, il y avait déjà les sorties de Noël, s'il vous plaît. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Je vais poursuivre avec la teinte Comment. On monte crescendo. Faites-moi confiance. Trust the process, comme dit Danisha. Voilà, donc là, ça fonce un petit peu. Je vais un petit peu aller plus loin. De toute façon, j'ai mis la base jusque là. En plus, c'est bien de voir ces teintes-là, comment elles performent aussi sur ma carnation. Ça se travaille bien, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. C'est appréciable. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Et je prends la teinte Review qui se trouve là. Donc encore plus foncé. Et là, on va accentuer le creux. On va mettre une autre teinte en ras de cils. J'ai rien à dire, les mats se travaillent super bien. On a remis au creux de paupière interne. On va le faire maintenant. Je prends un autre pinceau. Je vais prendre la teinte Scrunchy. C'est le vert un peu caca doigt que je vais mettre en coin interne. Comme ça. Oh, c'est très très doux. Hein. Vous voyez, je balaye comme ça. J'ai même pas besoin d'insister. Les deux vont bien ensemble. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est joli, hein. On est maquillé. Ça a de l'impact, mais sans trop en faire non plus. Je vais mettre la teinte Subscribe. C'est marrant, les noms des teintes. Hashtag, viral, engagement, get ready with me, review, all looks, holy grail, like. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Très très beau. Oh là 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 là. En ras-de-cils à présent, je vais mettre la teinte Holy Grail directement. Un espèce de burgundy. Prends un pinceau P. Louise. Et on y va. C'est beau, c'est beau. Bien évidemment, je vais déborder. Vous savez quoi? Je vais ramener juste un petit peu. Je vais prendre un autre pinceau. Je prends la teinte Like directement. Voilà. C'est beau. Je suis de la team, on déborde. On déborde. C'est appréciable parce qu'elle est légère la palette. Vous voyez, c'est joli, hein. C'est vraiment, vraiment joli. Franchement, je suis ravie. Sur le début de mon ras de cils inférieur, je vais mettre la teinte Comment. Franchement, c'est pigmenté parce que j'ai pas mis de base. Et franchement, ça se voit bien. Cette palette pour partir en voyage, franchement, nickel. Parce que si vous êtes comme moi, en voyage, on se make-up pas trop la tronche. Et quand on se make-up la tronche,
On va dire que c'est léger, léger. Bah écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au lumineux. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir un petit peu les changements. Il y a du vert, de l'oranger. Je parle des holographiques, la ligne tout en haut. Donc, là, je prends la tag. Très, très doux. Viral. Engagement. Et follow. Regardez-moi cet impact de fou. Regardez-moi ça. Ça brille, ça brille. Regardez. La beauté. Magnifique. Vous voyez? On va commencer par viral. J'ai regardé une revue sur cette palette. Je me souviens même plus c'était qui. C'est vous dire à quel point la nana est perchée. On va continuer avec le vert. Engagement. Engagement. Oh lolo lolo. Ça envoie. Oh lolo lolo lolo. Ça envoie du pâté de crabe. Et en ras de cils, je pense que je vais prendre cette teinte là, c'est un espèce d'oranger. Je vais prendre mon petit pinceau. Oh ouais, c'est beau. Merde, j'ai sali mon phare. Qu'en pensez-vous? Cool, non? Bon, écoutez, je termine tout le reste du maquillage en off et je reviens pour la conclusion et vous dire ce que je pense de la palette. Mais ce sera mieux quand je verrai vraiment la fin du make-up. Voilà, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Ta-da! Alors, qu'en dites-vous? Il est pas mal ce make-up! Oh là là, mes boobs! Bien évidemment, vous retrouverez tous les éléments du make-up en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Parlons brièvement de cette petite palette, la Berli Basic. Bah écoutez, je suis satisfaite du premier make-up effectué avec elle. C'est très doux, les fards mat se travaillent super bien, c'est facile. Facile, ça on aime. Les couleurs, elles sont pigmentées, mais pas trop. C'est la formule parfaite. C'est pigmenté, mais si on est pressé, on risque pas de se tacher la paupière. C'est ça qui est appréciable. Les lumineux, franchement, ils sont superbes. Plein d'impact, bourré de paillettes, lisse. Voilà, c'est lisse. C'est une formule qui est vraiment pas lourde sur la paupière. Ça n'alourdit en rien le maquillage. Maintenant, reste à voir la tenue. Donc, je suis ravie. J'ai hâte de l'utiliser à nouveau. C'est sûr que je vais le faire. Et comme je vous ai dit, si Monolith ne me l'avait pas envoyé, je l'aurais acheté. Donc, je suis très contente. Et affaire à suivre pour d'autres make-up. Ben voilà, cette revue est terminée. J'espère qu'elle vous a aidé. Moi, en tout cas, j'ai été super contente de la réaliser, vous avez pu le voir. Et si cela vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait, et oui, si tu passes par là souvent, que t'aimes bien ce que tu vois, ce que t'entends, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir et en plus tu vas m'encourager de fifou. Sinon tu peux me retrouver sur Instagram que je te glisse là.
Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.